Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Coincides with the electoral process, which will be the third general and inclusive elections since our nation became sovereign. It is worthy of noting today that the DR Congo has made a huge progress in multiple areas of the national life. His Excellency Joseph Kabila Kabange
President of the Democratic Republic of Congo has asked that I take this opportunity to inform you of the current situation in the country. Thus, the Democratic Republic of Congo is suffering no institutional crisis, no one of political legitimacy. Permit me to thank the various governments that you represent here and to express our wish that in the crucial period of elections, we continue to benefit from your deep support. I thank you. Bonjour et welcome sur Welcome TV. Alors nos actualités, les lovements Isaiah Makambu Isaiah Koyinda Kombalobaka, Tokozala en direct qui a stade kuna bomona ba image. Alors avant la noto banana to landana news oyo princesse. De son côté, le Front commun pour le Congo va tenir son meeting populaire ce samedi 27 octobre au stade Tata Raphaël. Contrairement à la rumeur propagée sur les réseaux sociaux, cette manifestation aura bel et bien lieu. Cette méga plateforme électorale qui soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary compte mobiliser l'électorat pour les élections du 23 décembre prochain. Je vous propose de suivre l'extrait d'un membre du comité stratégique du FCC. La première activité en date, c'est un grand meeting populaire qui est prévu par le Front commun pour le Congo et auquel il convie toute la population congolaise, tous ceux qui croient à la démocratie et aux élections dans ce pays, de venir, n'est-ce pas, l'exprimer au cours de ce meeting qui est prévu pour le samedi 27 octobre 2018 au stade Tata Raphaël. Alors, welcome back to Welcome TV. Alors, bon, yoki message. Alors, on est toujours là-bas. Tout là, nous en direct qui a stade Tata Raphaël. Bon, on a plein de salamakuna. Alors, pas de commentaires, princesse. De la population pour le candidat Emmanuel Ramazani Shadary. Je pense que ceci n'est que l'échantillon que nous vous présentons avant que l'on puisse commencer le 22 novembre prochain avec la campagne. Emmanuel Shadary, c'est le candidat du peuple. Merci. Alors, welcome Bassi, welcome TV. Alors, nous venons de voir les images de Moni plein au Zana Stade Tata Raphaël. Au soukana plein, alors commentaire vraiment exalté. Alors on attend un message. J'aurais aimé que les tshisekedisme, les mbembisme, les katumbisme, les
musitourisme, le tumbabwabisme, le matungulisme soient érigés en idéologie bien définie fondée sur des doctrines bien élaborées avec un idéal bien déterminé. Ici, non, on doit suivre les gens sans conviction ni idéal, les seuls motifs étant la tribu ou la puissance financière de quelqu'un qui suit qui par idéal, qui suit qui par conviction, et s'il y avait un idéal, lequel? Mon objectif à travers cette publication est que l'on ait des hommes politiques qui sont conduits par un idéal pour lequel ils peuvent démissionner ou mourir. Le mot bouddhisme est connu, mais en pratique, c'est la dilapidation du patrimoine national. Le kabilisme, dans sa dimension de musée Laurent-Désiré Kabila, consiste à inculquer aux gens la vision de la prise en charge. Ceux qui ont entouré Joseph Kabila l'ont aidé de faire asseoir cette vision pour bâtir une politique du développement collectif et impersonnel pour le bien-être des générations futures. Le kabilisme au sens du régime de Joseph Kabila peut être défini comme unifiant, pacifiant, construisant, car demain, nous aussi, nous, RDC, Congo, serons une puissance au centre de l'Afrique. Alors, il y a l'autopsie d'une opposition irresponsable qui force au choix responsable, celui d'Emmanuel Ramazani Shadary. Un président de la République doit rassurer sa famille politique, doit se montrer cohérente, unie et responsable. L'inverse de toutes ces valeurs pour un candidat président de la République et sa famille politique installe un danger au sommet de l'État. Arrêt sur l'image d'une opposition irresponsable, désunie et incohérente. Prenons les choses dans l'ordre depuis 2011. 1. Ils étaient plus de 10 en 2011 à affronter un seul candidat dans une élection à un tour. L'un d'entre eux avait trouvé comme formule d'appeler cela un triangle nucléaire. Ridicule. Les partis de leur rang qui avaient le plus grand nombre de députés à juger bon de ne pas présenter les candidats, mais sans aussi nouer une alliance avec un autre candidat. Leur président était en détention à la CPI, ridicule. Les plus grands partis de leur camp et son président sont entrés à campagne avec 12 jours de retard. Le président a préféré s'autoproclamer président de la République depuis l'Afrique du Sud. Les autres candidats identifiés à eux n'avaient que 50 000 $ de caution à perdre. Ne parlons pas de celui qui a rejoint l'Axe du Bien par son soutien manifeste à Emmanuel Ramazani Shadary. 2. Pendant la campagne de 2011, nous avons assisté à une impération pitoyable des candidats de l'opposition. Ils attendaient tous des avions et hélicoptères promis par quelqu'un, par quelques impérialistes, mais que personne n'a vu venir. Leur leader n'a loué son avion que pour 9 jours, pour une campagne qui devait durer 30 jours. Il aurait fallu l'intervention pour solder son avion. 3. Aucun de ces candidats n'a couvert, ne serait-ce que les un tiers des bureaux de vote avec leurs témoins, leurs paternels. Une structure de l'Église catholique n'a déployé que 30 000 témoins à raison de 2 témoins par bureau de vote sur les 64 000 références par la CENI. 4. Au soir de la fermeture des bureaux de vote, ils étaient déjà tous présidents de la République alors qu'ils n'ont jamais eu les PV de tous les bureaux de vote. Sans une analyse approfondie de quelques PV qu'ils disposaient, ils s'étaient tous déclarés vainqueurs. Certains se contentaient juste de quelques bureaux de vote pour se déclarer vainqueurs. Ridicule. 5. Alors qu'ils n'avaient aucune photographie de tous les bureaux de vote, faute de témoins, ils piratèrent les sites de la CENI
en publiant des faux résultats qui créditaient à leur leader 62% des voix. Lui-même a déclaré autre chose, nous y reviendrons au point 10. 6. Le lendemain de la prestation du serment du président Eli, soit le 20 décembre 2011, leur leader s'autoproclame président de la République dans les jardins de sa résidence à Limété. Insolite, il prête serment sur la Bible, mais cite la Constitution dans son élocution. Ridicule. Je pouvais aussi prêter serment dans ma cuisine devant les assiettes et les couteaux, et je le voulais. 8. La prestation des serments de leur leader n'ayant pas conduit à ce qu'il prenne possession même de sa propre avenue, leur allié naturel qui sentait les corps foirés, prélat catholique, a été appelé en renfort le 12 décembre 2011 avec la fameuse vérité des urnes qui n'en est fait que les mensonges des urnes. Car remis à sa place par l'ancien président de la CENI, d'ailleurs, cela n'a pas empêché au président Eli de prêter serment une semaine plus tard. 9. Les candidats autoproclamés 12 jours avant le lancement effectif de la campagne depuis un pays étranger et qui a prêté serment 11 jours après la publication des résultats, ignoraient visiblement que la Constitution ne consacre que 10 jours entre le fait d'être déclaré président de la République et la date de la prestation des serments lui a fait 64 jours. Ridicule. 10. Interrogé par la RFI, comprend des radios farces internationales d'ici le président Sassou, sur son pourcentage obtenu, leur leader a contredit ses propres faussaires. Si pour eux, leur champion était crédité de 62% des voix, pour lui, on devait lui rendre ses 78% imaginaires, les ridicules à son comble. Alors, notre communiqué, alors, Batou Bazo Douté Pona. Message Joseph Pona Batou Bazo Douté Pona, chef de l'État. Le président Kabila, l'homme qui donne une leçon à ses donneurs, des leçons. Écoutez-moi très bien. Limiter l'action du président Joseph Kabila Kabang et les fils de la paix par les choix du candidat président de la République du FCC pour parler de la journée du 8 août 2018 en République démocratique du Congo serait minimaliste. Il faut surtout ajouter que le président Joseph Kabila a consolidé et renforcé son pouvoir avant même les choix d'Emmanuel Ramazani Shadary. Contrairement à tous les autres candidats qui nous parlent de renforcer leurs unités après le dépôt de leurs candidats, celui du FCC bénéficie d'une large coalition et l'unité qui en découle s'est manifestée par la présence de plusieurs leaders qui ont accompagné notre champion à la CENI. Nous devons tous cela au grand et très grand Joseph Kabila Kabange. Déjà en 2001, après avoir remplacé son feu papa à la tête de notre pays, Joseph Kabila n'attendra pas plusieurs années pour former le PPRD, le plus grand parti politique de notre pays, en 2006, dans le contexte des premières élections démocratiques de notre État. Le même Joseph Kabila crée la MP qui devrait plus tard la majorité présidentielle, considérée comme étant la plus grande et solide plateforme politique de notre pays. Elle a d'ailleurs pu résister à certaines tentatives de déstabilisation grâce à l'implication personnelle de celui qui j'appelle le fils de la promesse. En 2016, alors que l'on venait d'enregistrer le départ de nos amis de G7+1, il allait dans une réunion à Kingakati qui ne nous conduirait jamais dans un suicide collectif. Cet homme est vraiment exceptionnel et nous pouvons les connaître sans être accusés de quoi que ce soit. Aujourd'hui, il nous renforce avec les FCC. Un tel chef laisse des marques et nous ne pouvons que lui réserver un vibrant hommage. Avec Emmanuel Ramazani Shadary, entouré de tous les pionniers de la Kabylie et des leaders du FCC, nous ne sommes pas orphelins.
Papa est encore en vie et il sera très actif à nos côtés. Que ceux qui n'ont pas encore signé au FCC les fassent, je les encourage vivement. C'est d'après votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messané. Je suis kabyliste, communicateur de la diaspora et président de l'Adjokaka, les amis de Joseph Kabila Kabange et vice-président de Fondation Musée Joseph Kabila Kabange. Alors, n'est-ce pas que Makambo Oyo Bato Bazo Sala, il y a une opposition, un opposant Oyo, et ça vraiment ridicule parce que hier, Bazalaki la marche na Bango, Bomouni la marche Bazalaki sans IDPS, Bazalaki au moins 4000 personnes selon les informations de Zouawa, 4000 personnes Batambouli librement jusqu'à ce que Bakenaki ko déposé, donc quelques Bakote Kanavi, la Kinshasa pour nous déposer mémorandum na Bango Kuna na Seni. Alors, ce qui peut se dire, c'est que les gens en Angleterre, les gens combattants, ils marchent dans le bango. Ce qui peut se déposer, même na place de déposer, ils ont une mémoire, ils ont une archive. Donc, cela veut dire qu'ils ont une mémoire, ils ont une archive. Après trois mois, ils ont une boîte, ils ont un passeau. Ce n'est pas que pour le passeau, mais ils ont raté. Donc, ce n'est autant qu'ils ont une mémoire dans le bango. Donc, ils ont une mémoire. Voilà pourquoi Félix a dit que les marchands ont une mémoire de l'autre côté parce que rien ne va changer. Élection au Salama le 23 décembre. Et puis, machine à voter. Et aux Alakara, parce que je suis un peu plus de machine à voter. Même dans le poto à Salama. Alors, si vous êtes congolais, vous êtes en train de faire des choses. Vous êtes en train de faire des choses. Vous êtes en image. Et ça, tricage. Dans le stade de Tata Raphaël, au stade du 20 mai. Donc, plus de 200 000 personnes. Dans le Libanda, dans le quartier, déjà plein foule. Donc, et tondi. Si vous avez un bateau, vous avez un bateau, vous avez un bateau, vous supporter que Emmanuel Ramazani Shadari est un candidat, notre chef de l'État, connu notre dauphin, que vous avez toujours supporté, que vous avez un candidat, vous avez voté le 23. Si vous avez passé le 23, vous avez un tricage, vous avez une image, vous avez un bateau, vous avez un bateau, vous avez un Belgique, vous avez un petit pays, la Belgique pour avez un pouvoir. Et vous avez un Belgique, vous avez Oleba kabasa la ba campagne na bango na gisasa ba yebara bango ba kina na ba région bazo ki na ba marche na ba marche wana e ko mené bino ne lo mokote na ba marche wana e ko donc bozo songa ka sima alors Ramazani déjà na gisasa bazo e ba e parsi par là donc mokil mobimba na ba d'ailleurs akene na ko za bokonde na kata kamba place bokonde utaka bino lebo ki na kamba ba msuba ki na ba Italie donc zola ça déjà que qui vont considérer et c'est personne n'a pas ya Emmanuel Ramazani Shadari et ça les cambatrika j'étais ni ma cambouya machine à voter ni ma camusso qui affiché t alors déjà dès dans le bac qui en haute semaine passée dans le bail que bah posant bah yebi déjà que élection à Congo selon la constitution et que ça la soit par fichier ou par voie électronique bah yebi en haut voie électronique yangwana bah congolais bah changeant au combo bah tché machine à voter yangwana voie électronique. Et comment on a négoana? Bon, c'est comme bien au moment on a dernière minute la classe naissance ni. Donc cela veut dire ils n'étaient pas préparés pour les élections. Bon, Bazaïk a préparé, même si quoi, Bazaïk a préparé la transition. Parce que ce Bazaïk transition, mais on a pas posté na bango. Martin Fayulu, on a pas posté na eux. On a pas kabula, pas kamitat. Mutuloko la kamitat, tu veux mais à qui ne peut ce peuple congolais laissant? Est-ce que kamitat, Azana, donc vraiment mutuloko la kamitat ou non? Azana, quelle idée n'y a que peut ce congolais à vrai? Idénine, un flatteur tout fait. Ministre, comment on a porté parole à Moïse? Et puis, on a dit que c'était donc, on a dit que le ministre Oyo, la commission a représenté, mais le opposant a dit déjà que c'était ridicule. Parce que sans IDPS, donc, ça a été remonté. Ça a été marché dans le bango calme. On dirait que c'était un petit match. Donc, pas plus de 4000 personnes. Alors, Félix Tshisekedi bazo kende na élection eza na machine eza la sa machine. Le problème matanga ki ba batuna bango ba lobi ke non pour mes alika ke élection salama o ya ko gagner a gagner et après mais c'est ça la démocratie za bongo. Le ko la lobi élection faut que na élection makama o ki mezate. Pour ne sait jamais na mboka msu le pe le Félix parole kanait. Ce bolingie bo voter belé azwa so 98% so azwa 98% do tala so ka koleka. Bo voter. Donc, il y a un peu de que il faut que nous soyons en train de faire des choses. Nous avons un esprit de l'amour. Mon thème est le Kundu, il y a un bébé qui est en train de faire des choses. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
Déjà, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Félix nous avons dit suite à ma prière, je me suis dit que Azar vraiment vrai leader, il y a opposant, il y a opposition. Donc, ça y est, opposition, ça n'a pas été. D'ailleurs, nous avons fait ça bataille de PES. Nous avons fait ça pour publier, nous avons candidat commun. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait ça pour nous, parce que nous avons fait ça pour nous, parce que nous avons fait ça pour nous. Donc, ce qui est fait, c'est que nous avons fait ça leader commun, nous avons fait ça. Donc, il y a des PES, nous avons fait ça. Bazo kosa la bango peuple congolais parce que ndenga na yebeli bango nyoso basala batiko na bango quand Martin Fayala zana triko na ye ya candidat président j'appelle ba zana triko na candidat président bango tout bazana batiko na bango candidat président siko nana ko linga tumba batiko na bango et puis mbongo na bango nana ozongi sengo donc cela veut dire on nous se sent on le kuta ceux qui bakoza candidat comme alors vrai candidat comme nazam te poser te meta que mukabiliste toi mete mama lamu ezana ngo Félix Tshisekedi oyo bataille de peste botcha na bino mutu. Parce qu'on ne sait jamais, boutique à Monabatou, tel père, tel fils, Monabatou, population est lignée, donc dans quatre oppositions, Batou Moutaye, Baye, le Gola Yazan a été. Alors, le problème de Ganazoloba, étant que serviteur de Dieu, la Bible nous dit que ceux qui ont un amour, au monde en Zambété, il faut avoir l'amour, première des choses. Amour, Wana, Yangwana, et le Bikeno, aimez-nous les uns les autres. Il faut tout l'ingana. Moi, j'aime tous les mondes. Naninga abatunyoso, naninga nabo opposant, naba ni te mais mon problème, je suis défenseur du chef de l'État. Nous avons son nom de comment on habite, nous avons un défenseur. Le président Kabila, je suis son défenseur. Donc on a la bandaka pour défendre Dakaye. Yo soko yeno, attends à gauche, attends à droite. Moi je suis là pour son défense. Donc on va défenseur. Défenseur, attends, je vais mettre en bas les nengenin. Ou à bon joueur, soit à bon défenseur au Kale, au Tchanibite. Donc, je suis son défenseur, je le défendrai jusqu'à ma mort. Donc, cela veut dire que personne ne peut me stopper. Donc, et voilà pourquoi on est toujours au baquet. Il faut tout l'ingana, tout l'ingamo cannabis, tout l'ingamo cannabis. Pas sur tout le monde, et aussi là. Pas sur tout le monde, la misère, et aussi là. Bon, premièrement, il faut tout banana qu'on respecte, n'est-ce pas, Bible lobby. Bible lobby, que Moutou a dirigé à Moka, Balobara Mabé n'a été. Je parle, Mabé. Donc cela veut dire que ce mouton dirigé Moka Osala Mabé, Yoko Loba Mabé. Mais ce que le contraire, ce mouton Osala Mabé, Bino Bozoloba Mabé, donc cela veut dire que vous amenez la malédiction dans les pays. Alors, Bate Bazo mène malédiction dans le pays, et ça va combattre Mabé pour le chef de l'État. C'est eux qui amènent la malédiction dans les pays. Alors, nous, étant que serviteurs de Dieu, il faut que l'on ait la mentalité. Tout le monde, c'est un peuple congolais, pas un esprit amour, jalousie et zanatinate. Bozui, bozango bo chawapi. Eza mutumoko ya mbongo akufa kalobai ke ngatso nazo kufa comme je suis millionnaire, billionaire. So na kufi fozo maboko na bo chango libanda na sekai. Pour monter que ta na okene na okene na rien. Voilà pourquoi bozo we la ka bozui. Bozui bo we la pour faire quoi? Bo banda pe kozango banda kala tisiko bozo pozo kaka kosili zate ya ngwana lelo ndengeza awa. Tango elekse o salama. Alors, prière n'a pas été le présent ou à Eli, à Obana au Kangaba voler, nous surtout au Bazoui, Bamon, il y a gouvernement, Néo Salamana Ghana. Na Ghana, Mikolo, ba politicien, Bazoui, Bamon, Baza, 10 ans, 15 ans, 20 ans de prison. Bilokwana et au Salamana, présent ou à parce que notre chef de l'État, Yazan Motea Malamu, sera Monika Bina Kangakimbuta, sera Yibimona Kangakimbuta, n'a pas été 20 ans de prison, Badra Mone Mabe. Sera Sali Boyote, Bamon, Kanga, combien de personnes? Abana okana José Makila. José Makila azo ko foot ba travailler té. Poza ministre de transport ko ba kangai ba tena boloko, soko ba kangiye ba ko lela, ba ko ba tro. Alors moi nangana azo luka ko renforcer Congo ye ba ko bunga. Tali na kati na Congo zo mona ke moi ba machine ya ba cash machine ba cash point de combien faut ton dimanche quand même. Na ke na kati na cash machine na bendi pe 500 livres. Na ta gauche doit laisser mutako boto. Mais n'a moni rien n'a zéro peine à course n'a quatre calme n'a bimi normal n'a au salon d'un n'a qu'épée la victoire n'a course ma casse machine Dieu est témoin pour bisou d'abattre au filmé t au course peut cache machine au bénéfice $500 n'a yo bénéfice au bimi no bien bah peut-être la bazar à bango zotan à normal n'a zo banga pour le n'a mon azam à l'aise mais comment ils avaient bon rang en haut donc cela veut dire mentalité à battre les alliques au changer il faut ton dimaka.
tant que zone limité il y a encore nos hommes monaco et tout ça la malam ou témoin pour nzambe à ce monde dit babi Dieu voit tout ba bonne œuvre bande de copains qui ne bon mon amour est-ce que n'attend qu'à la seule nous qui ne kina tout bon à battre qui ne bat bon 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 on a ba n'a pas quatre balles mais sur le moment l'équipe bat 10 000 $ à bas bout tout l'ango mais ce que les locaux appellent un bon on a eu le bique non Je suis un peu plus de temps. Candidat à la FCC, et ça tricagité, c'est pour montrer que tout peuple congolais va supporter le choix, il y a dauphin au président de la République à PC. Donc cela veut dire que, oh, il y a pour nous, alors, bandeko, il faut tout bandeko lingana, je me défends, je suis défenseur du chef de l'État et puis défenseur de tout patriote, waouh, ça m'a mouillé bien. Na ou défendre ye. Et puis, tu bandaka ko terre abino, pona ro longola. Tolo ba welcome TV ye, pona ro longola ba diffamation, pona ro longola ba makamuno sa lukuta, parce que ba toa ko sarabino. Oh, je suis combattant, combattant ba kena akin, parce que ba bangote, ba yebi bangote na kisasa. Ba pa na besoin na bangote. Vous comprenez? Combattant ke eno na report en jili ba ota la ote. Ce qui yo oza problème, cela veut dire, moutako sa la vanti, neti nga, soko sa nga vanti, nenga na ko sa la pa vanti na kat la kin. De les amis comme individu au gouvernement qui parle bien noté parce que vous êtes des petits peuples donc magana bien ça la poité alors y a mon azé sabino tu es baroza na bomoko tu lingana les uns les autres bolanda nuzo after ngai na uzungu na bino ermoko see you God bless you. Na kola na maboko na yo, na ekola na kela si na yo e. Mosungi moko yo bapesi na yo, ezase yo moli mo santu. Motema na nga ezo kaba pota, ba trahison na ba jugema ya bato. Je me suis relevé na ngu ya Jezi e, kotika nga tenzele zana nu mola yi. Molimo, molimo, nanzambe a route vers les studios. Akita awanase, lisongi nangayo. Molimo, molimo, nanzambe, akita awanase, lisongi nangayo. Moboko li nangai, kelasi nangayo, nasilisi naino, kwe kolate, zala nangai nano,
masolo nangai oye longo langa pongi na bete longo nani aya lobela ngana no masolo nangai oye longo langa pongi na bete longo nani aya na lingi yomi ingi oh molimo na nzambe akita awanase lisungi na ngayo nakola na maboko a jesu na ekola na kelasi ya shamaye mosungi moko yo bapesi ngayo eza se yo molimo santu motema na ngai ezoka bapota batrahison na bajugema ya bato je me suis releve na nguya jésus e kotikanga te nzela eza nanu molai molimo molimo na nzambe akita awa na se lisungi na ngayo molimo molimo na nzambe akita awa na se lisungi na ngayo nakola na maboko na yo na ekola na kelasi na yo e mosungi moko yo bapesi ngayo eza se yo molimo santu motema na ngai ezoka bapota batrahison na bajugema ya bato je me suis releve na nguya jésus e kotikanga te nzela eza nanu molai molimo molimo na nzambe a route vers le studio akita awa na se lisungi na ngayo molimo molimo na nzambe akita awa na se lisungi na ngayo mobokoli na ngai kelasi na ngayo nasilisi nano koyekola te zala na ngai nano masolo na ngai oye longo langa pongi na bete lango nani aya lobela ngai nano masolo na ngai oye longo langa pongi na bete lango nani aya nalingi yomi ingi oh molimo na nzambe akita awa na se lisungi na ngayo nakola na maboko a jésus na ekola na kelasi ya shamaye mosungi moko yo bapesi ngayo eza se yo molimo santu motema na ngai ezoka bapota batrahison na bajugema ya bato je me suis releve na nguya jésus e kotikanga te nzela eza nanu molai molimo molimo na nzambe akita awa na se lisungi na ngayo molimo molimo na nzambe akita awa na se lisungi na ngayo.